Poupoulou, poupoulou. Oh, ce logo Bandai, comment il date? Faut que je déplace ma fenêtre de jeu, je crois. Je vais peut-être remême la modifier parce que il manque des bouts. Ouais. Na 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 na. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Donc, Tail Concerto, un jeu que c'est marqué que c'est Bandai, mais c'est pas Bandai qui l'a fait. Hein. Bandai, ils ont juste distribué. Donc, c'est un jeu de. Mince. C'est un jeu de Cyber Connect 2, en fait. Qui est un concepteur de jeu plutôt sympa. Qui fait surtout des jeux de baston à Naruto. Mais enfin, bon, ils ont fait Tail Concerto aussi. Voilà. Allez, hop, on y va. C'est parti. ないてるの。泣いてなんかないもん。じゃあ、これあげるから。いらない。そう。でもあんたがいらないならもらってあげる。うん、いらないんだ。君にあげるよ。 C'est sûr qu'une pierre bleue avec des mondes volants là, on est dans l'originalité la plus totale. Oh, j'ai bien dormi. J'ai comme l'impression d'avoir fait un rêve les plus nostalgiques que. Oh, oublions tout ça. Je suis enfin en vacances, il faut que j'en profite. Tiens, qui cela peut-il bien être à 7h de la journée? Allô? Comment? Les chats noirs ont été repérés à Resaca? Une armée de chatons sème la panique dans la ville? Très bien, ouf, je me dirige immédiatement. Je vais peut-être pas garder cette voix-là tout le temps, hein. Ça fait une voix de con, donc...
Ouais, peut-être qu'il devrait avoir une voix un petit peu plus sympathique, genre « Et voilà, les vacances sont finies, mais c'est pour la bonne cause !» Un truc du genre. Bon. Allez, courage! Courage, le chien géant. Parce que dans ce monde-là, les gens vont en au boulot en robot volant, hein, parce que bon, il n'y a pas que ça à foutre, j'imagine. Ce sont donc des chiens de prairie. Disons que c'était probablement une civilisation tellement en avance sur son temps qu'elle a disparu avant même d'avoir existé. Oui, le concert des queues, tout à fait. Bonjour Randall. Pipoulou. Oh non! Et les chats! Ils sont hyper repérables quand même, hein, les mecs. Ah, on est très très méchants, et nous avons notre ballon dirigeable en forme de chat, comme ça personne ne sait que c'est nous. Mais quand même, les gens se posent la question. Hein. Mais qu'est-ce que c'était? Serait-ce les chats noirs? Ben, je redis les chats orange, moi. En tous les cas, je ferais mieux de me renseigner auprès des gens du port. Alors, donc, bah, c'est un jeu en 3D. Hyper précis, hein, comme tous les jeux en 3D. Alors, on peut y jouer avec la manette analogique. Mais honnêtement, vu la différence de traitement du truc, c'est pas énorme. Enfin, bon, bref. Hé, vous allez bien? Ah, mon entrepôt! Et que les chatons se mettent à lancer subitement des bombes, c'est pousser la blague un peu loin. Il y a des limites à tout, quand même. Si je m'en étais aperçu et ce moment-là, j'aurais pu les ramasser pour leur relancer dessus. Mais là... Biboudoulou. Bonjour, monsieur. Les chatons sont en train de tout détruire dans l'entrepôt. Dépêche-toi de les capturer. Pour ouvrir une porte, tu n'as qu'à te placer devant et appuyer sur le bouton « Action ». Mais d'accord, mais c'est où le bouton action là-dessus? Ah ah! Approche-toi des chatons et appuie sur le bouton action pour les attraper! Mais qui y parle en fait? Si tu arrives à stopper les chatons avec tes balles à bulles, tu arriveras à les attraper plus facilement. Ah, ils ont l'air hyper dangereux, hein. Voilà, ça c'est fait. Alors les sifflets, je crois que c'est des continus en fait. Mais... Bah alors? Il faut les choper les trucs. Waffle a récupéré un sifflet si le robot armure est détruit, appelé Panta pour qu'il le répare. Donc Panta c'est un autre personnage. Youhou! C'est le petit chien en fait, Panta. Kakaboum. Ah ah. Je ressors. Bon, c'est un jeu PlayStation qui est sorti je ne sais plus quand d'ailleurs. C'est marqué 98 je crois. Oui, 98. Enfin, en France en tout cas. Et qui était marqué coup de cœur du journal de Mickey en fait. Donc voilà. Alors j'y ai pas joué. Je l'ai récupéré. Enfin j'y ai joué, genre j'ai dû faire le début. Mais voilà. J'ai fait la suite par contre, Solato Robo, qui est vachement bien sur DS. Alors il faut lancer les bombes ou les tonneaux en appuyant sur le bouton action. Oui bah comme j'ai fait tout à l'heure. Aïe aïe. Thank you.
Ça va, le mec, on peut le choper assez facilement quand même. Hein. You. Donc on peut se maintenir un petit peu en l'air en appuyant sur le bouton X. Salut Lyon. Je me demande où les chatons sont cachés. Bah t'es où? Ah. Donc en fait ils ont une espèce de capturateur à fantômes. Ah t'as loupé le début, bon c'est pas grave, t'as loupé le générique de début qui est chanté par Kokia, c'est pas grave. Il était bien. Donc là il faut que je chope tous les petits chats qui sont... Enfin les chatons pirates qui ont l'air hyper dangereux hein. C'est des criminels à mettre en prison le plus vite possible. Des malandrins. Des saligots. Des chatons. Donc le héros s'appelle Waffle, donc ça veut dire gaufre en fait, hein, donc voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà. Bonjour. Essayons de lancer des bombes sur les chatons placés en hauteur. Ah bah oui. Prends une bombe et laisse le bouton action appuyé, une cible apparaîtra alors sur l'écran. Tu arriveras à mieux viser en utilisant le bouton de changement de vue et en regardant vers le haut. Attends, c'est quoi le bouton de changement de vue? Alors, je regarde dans la notice. Il y a savoir manœuvrer le robot armure. Manette L1, L2, d'accord. Ah, je peux reculer. Ok. Viens par là, toi. Ah oui, d'accord, mais il faut utiliser le bouton de changement de vue parce que... Ah bah ça va, ça lui a pété à la gueule, c'est très bien. Ah oui d'accord, en fait il y a un bouton pour monter la caméra, un bouton pour la lever. Un bouton pour la descendre plutôt. Allez viens vilain chat. Ça va, ils ont l'air... Mais vraiment hyper dangereux, hein, les trucs. Tu m'étonnes qu'ils sèment la panique aussi. Des chatons à grosse tête, comme ça. Bon, par contre, effectivement, on voit pas grand-chose. Et il n'y a pas de moyen de... Alors, je peux les capturer aussi avec un lance-bulle. Oui, ils sont trop mignons, oui. Ah, viens par là. Bon, j'ai réussi à capturer tous les chatons de l'entrepôt. Ça, c'est fait. Youpi! Alors attends, qu'est-ce qu'il dit là? Donc j'ai 4 sifflets. Et en appuyant sur Select, il se passe rien. D'accord. Ah, des soins! Alors non, c'est la vie du robot. Hein. Donc en fait, il faut soigner le robot. C'est le concept quand même. Alors. Bonjour monsieur. Merci d'avoir capturé les chats qui détruisaient mon entrepôt de vin. Bien entendu, le vin est sauf, n'est-ce pas? Oh, oui. Mais bien entendu. Au fait,
J'ai cru voir les trois commandants des chats noirs se diriger vers les ruines à bord d'un aéroplane. Les ruines? Oui, c'est une structure datant de l'Antiquité qui se trouve au dernier étage de la tour de Resaca. Que voilà un endroit bien mystérieux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un morceau de photographie. Alors je crois qu'avec les téléphones on peut sauvegarder. Mais c'est peut-être que dans le téléphone du héros. Donc dans sa maison. Ah tiens, je te pète la gueule. Donc une casserole c'est plus 50% de vie. Et un deuxième morceau de photographie. Ok. Donc le mec il fout des claques au mobilier et il y a des trucs qui sortent. Hein. Tiens, prends ça, sale table. Ah, faisons table rase du passé. Puis bon, pour un policier, il porte sa casquette à l'envers et tout. Voilà, quel exemple pour la jeunesse, franchement. Tiens, prends ça, sale camion. Ah. Un autre morceau de photographie. Il doit y avoir des collectibles. Hein? Non, on peut pas monter par là. La police s'invite chez les gens et casse tout. Oui, comme dans la BAC, c'est l'état d'urgence, que veux-tu, hein, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, un nonos. Donc le nonos, c'est 30% de vie. Donc il faut savoir que donc c'est le robot qui prend des dégâts, mais pour le soigner, il faut manger des os, de la pâtée pour chien et des trousses de soins. Ce qui est logique, hein, soyons... C'est donc là-bas que se sont dirigés les commandants des chats noirs. Normalement, je devrais pouvoir y accéder avec un ascenseur. Oh non, des chats partout. J'espère que la musique va pas être... Bon, la musique est sympa, hein, ceci. C'est très coloré, ça change de... du jeu auquel je jouais avant. Alors en fait, quand je maintiens le bouton carré appuyé, ça me fait une ligne de visée. Mais bon, c'est compliqué. Oh non, ils font des tags. Ah, quel vilain vandale. Heureusement qu'il laisse une traînée de fumée derrière lui parce que... Maté ! Il laisse une traînée de fumée derrière eux, ce qui fait que je peux les voir. Je peux partir à leur poursuite éventuellement. Mais pour ça, il faudrait que je les voie. La caméra met énormément de temps à se remettre derrière... derrière Waffle. Donc on voit que c'était les premiers jeux en 3D quand même. Ils sont également vulnérables aux balles à bulles. Eh ben, c'est très bien. Alors, si je tombe... Aïe! Aïe, ça fait mal. Ça va parce qu'il y a des... C'est pas parce qu'il y a des nonos un petit peu plus loin. Tiens, ce chaton a quelque chose sur lui. Waffle a récupéré le sac de charbon. Il est où mon nonos? Bon, un ça suffira, c'est pas la peine d'en rajouter. Par contre, je crois que j'ai vu une photo, enfin un bout de photographie par ici. Tilili. Ya, prends ça, sale caisse.
il y a un morceau de photographie. Ces morceaux forment une photographie. Assemblons-les dans l'album plus tard. Non, si je tombe, c'est pas la mort directement. Je reviens avec quelques points de vie en moins, en fait. Hein. Bonjour, monsieur, c'est la police. Ne vous inquiétez pas. On vient juste voler vos photographies. Ne cassez pas trop de choses dans la chambre, s'il vous plaît. Enfin, si c'est pour l'enquête, je me ferai une raison. Ouais, ça va, les gens sont résignés, quoi. C'est normal, c'est la banlieue parisienne. C'est la police. Bonjour, c'est la police française. Papier Renbit. Schnell. Mais comment vouloir un policier aussi mignon, hein, franchement. Ah, tiens, je vais tout casser chez toi, vilaine. Qu'est-ce que vous cachez dans cette chaise? Je suis sûr que vous cachez des terroristes chatons. Bon. J'ai cru qu'il y avait marqué Oseille, mais en fait, c'est 1620. Par là, c'est le... Par là, ça va être la suite. Non, je peux pas monter. Je bosse pour Ikea, ouais, c'est ça. Ah, votre mobilier n'est pas très réglementaire, madame. Ou monsieur. Qu'est-ce que vous cachez dans cette armoire? C'est de la drogue? Ah ah! Vente de chatons prohibés! Waffle a récupéré une poupée. Tiens! Prends ça, sale étagère. Touk, 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 touk. Je bosse pour n'importe quel magasin de meubles, en fait, qui a besoin de se faire de nouveaux clients, en fait. Hein. Il faut être un petit peu raisonnable. Bonjour, bonjour. Mais je veux pas trop... Bon, à part que casser les meubles, c'est rigolo. Du manger... Il y a un morceau de photographie. Pif! Bon. Bon. Il n'y a rien d'autre ici. Alors là, il y a une maison. Ouais, je peux pas y aller. The Saka. Resaka. Tiens, c'est fermé. Il semble que la porte soit verrouillée. Le mec, il est de la police quand même. C'est des gens qui ont fait des études et tout. C'est fermé, ça doit être verrouillé. Bah ouais, un peu. Ouais. Ah, lui, il a l'air contrarié. Ah ! L'ouvrier pousse un soupir en regardant la chaudière éteinte. Tu vois, les chats noirs m'ont volé le charbon servant à allumer le feu. Si tu désires utiliser cet ascenseur, il te faudra récupérer du charbon. Mais ça tombe bien, je viens de trouver du charbon. Waffle a rendu le charbon à l'ouvrier. Eric a gagné le match. Oui, c'est ça. Attends un peu, je vais remettre la chaudière en route. Broom. Et vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux d'en mettre autant d'un coup? Laisse-moi donc faire, comme ça au moins, elle marchera pendant un bon moment. Prout, prout, prout. Est-ce bien raisonnable? Donc le chara-design aussi des bonhommes, c'est Nobuteru Yuki, donc, qui avait fait Vision des Skeflones, entre autres. Et on peut reconnaître sa patte, hein. Même si, bon, c'est pas trop un habitué des hommes animaux, à part Merle dans Escaflowne, justement. Puis bon, c'était un petit peu dans la même époque, hein, donc... Sauf qu'il avait plus la maladie des longs nez. Chat noir, à la vie et à la mort. Donc bah, Panta, c'est lui. Tiens, officier Waffle. Panta, que fais-tu? Une tente à un piège au chat noir. Ah bon? Sinon, comment ça se passe pour vous? Si vous désirez contacter le QG, utilisez mon émetteur récepteur. Soyez sans crainte.
Faire un rapport ? Sauvegarde. Au QG ? Oh bah oui. J'espère que j'ai de la place sur la carte mémoire. Quelle fente pour carte mémoire souhaitez-vous utiliser ? Choisissez le bloc de sauvegarde. Ouais, il me reste un bloc libre. Cool. Souhaitez-vous continuer ? Oui. Maman, il me faut une nouvelle carte mémoire. Sauvegarde qu'on peut l'aider. Donc Panta, il est toujours dans les bons coups. Hein. C'est moi où le décor bouge. Tiens, j'entends quelqu'un parler de l'autre côté de la porte. S'en fout, elle porte des gants. Tu as mis du chocolat sur le cristal. Et là, c'est l'écran blanc. C'est vous qui dirigez les chats noirs, n'est-ce pas? Vous allez arrêter de détruire cette ville. Comment? Et toi, à qui crois-tu parler, là? Ah! Mais tu ne serais pas... Mais tu es... Ça commence à être embêtant, toutes ces questions. Metal Gear! Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne serais-tu pas, par hasard, Alicia? Ferme-la, je te connais pas! Si tu veux savoir... Tu ne te rappelles pas? Tu habitais à côté de chez moi quand on était petit. Ma maman te torchait les fesses. Et si je te dis que je m'en souviens pas? En tout cas, tu vas immédiatement savoir ce qu'il en coûte de s'en prendre au prince des Saiyennes. Flair, Ster, vous êtes prête? Oui! Bien sûr. Donc ce ne sont pas des chats noirs, ce sont des chattes noires. Oh là là! Qu'est-ce que le fût? Ok, ça va, c'est pas très compliqué. Ouais, sauf qu'il bouge maintenant. Ça va y être des soins aussi. D'accord, ouais, un petit combat de boss, ça commence bien. Ouais, je peux aussi leur tirer dessus avec mon canon à bubule. Hey. Ah oui, il faut pas que je me rapproche trop près. Oh là là. Le trio maléfique, il a bokeh là-dessus comme la tsundere. Ouais, bah ça c'est toujours comme ça, il y a dans Grandia, il y a les mêmes. Alors comment on peut pas loquer les ennemis, parce que bon, c'est un jeu de 98. Anticiper leur mouvement, mais c'est pas facile. Vindius. Quand même, c'est pour les chats noirs, donc leur logo c'est un chat noir, mais leur truc c'est un chat orange. On dirait plutôt des boîtes de pâté pour chat, leur musique. Ça demande un peu de concentration quand même. Oula. Mais revenez ici. Ah, les bouboules peuvent rebondir, donc c'est cool.
Ah, je meurs. Ah non. Les déformations sont plutôt chouettes hein, pour l'époque. Oui, ça pique. Ça va, c'est pas non plus extrêmement difficile, hein. Il n'y a pas de quoi. Voilà, ça c'est fait. À une chaune explosion, y'a. Yeah. Et la Team Rocket s'en va. Heureusement qu'ils avaient prévu un échappatoire. Tu me le paieras, Waffle! En tant que prince des Saiyennes, la prochaine fois tu ne t'en tireras pas comme ça. Tireras pas comme ça! Vous comptez recommencer? Ouais, c'est-à-dire que t'as la... Enfin, le trio comique, donc t'as la méchante, le comic relief et la passive un petit peu, quoi. Elle connaissait mon nom, c'était donc bien Alicia. Tiens, il y a quelque chose qui brille par terre. Serait-ce donc cela qu'Alicia appelait le cristal? Waffle a récupéré le cristal rouge. Ref. Officier Waffle! Alors, il me semble qu'au Japon, le jeu est intégralement doublé. Et ils ont enlevé le doublage japonais, à part dans les cinématiques en France. Peut-être pour pas trop les. Pour pas que les enfants soient un peu paumés avec des gens qui parlent n'importe comment. Mais aux États-Unis, c'est pire, ils ont doublé le jeu et apparemment, c'est vraiment de la merde. Donc, je préfère encore qu'on ait pas de voix que des voix pourries. Enfin bon, après je vous fais la mienne, donc du coup c'est naze, mais voilà. Officier, message du cuisinier. Alors, il paraît que tu as facilement vaincu les chats noirs, Waffle. Oh, pas si facilement. C'est pour ce quoi tu vas te charger dès aujourd'hui d'arrêter les chats noirs. Comment mais je suis en congé et... Imbécile, les citoyens sont en difficulté et tu comptes rester là de rien faire. Mais bien sûr que non, mais... Tu ne te reposeras quand tu auras capturé tous les chats noirs. C'est pas juste. Ouais, c'est ça. Tu te reposeras quand tu auras... Alicia avec la voix japonaise d'Azuka l'anglais. Tu te reposeras, c'est pas juste. Envoie les chatons capturés au QG en utilisant le téléporteur de ton robot. Ah d'accord, oui, il y a un téléporteur sur le robot. Les mecs, ils ont des... Non, de rien, je te communiquerai, on leur fait régulièrement des rapports, compris? Oui. Au fait, j'ai ramassé un cristal après le combat contre le boss chat noir. J'en ai rien à faire. Occupe-toi de capturer les chats noirs, plutôt, et vite. À vos ordres. Eh bien, c'est pas du gâteau, mais rassurez-vous, moi, Panta, je vous épaulerai quoi qu'il arrive. Alors, il y a une grosse faute, là, mais enfin bon. À nous deux, les chats noirs n'ont aucune chance de s'en sortir. Merci, Panta. Et si je questionnais les gens de cette ville pour commencer? Enquête. Chambre des trois sœurs. Zut et zut, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. Oh non, je suis toute sale. Je vais prendre une douche. Je suis une chatte toute sale, toute dégueulasse. Qui va là? Quoi? Je suis désolé, vous aurais-je fait parler, Yaya? Un foule. Cela étant, je suis surpris de votre échec. Que les trois sourds des chats noirs soient vaincus par un simple officier de police. À quoi ont donc servi les armes que j'avais mises à votre disposition? On l'a un peu sous-estimé. Cela ne se reproduira plus. Les cinq cristaux cachés dans Prairie, arriverez-vous à les récupérer comme promis? Eh bien sûr, et de ton côté, n'oublie pas ta promesse. En douteriez-vous? Les affaires sont fondées sur la confiance, non?
Je suis Phileas Fogg en 80 jours. Eh ben moi je l'aime pas, na. Donc bah voilà, c'est fait. Ça fait 10 ans que ça, je couvre vos arrières. Donc je peux sauvegarder, oui. C'est un des premiers jeux à utiliser le DualShock, d'ailleurs. Quelle fente pour carte mémoire souhaitez-vous utiliser? C'est bien, le jeu, il te vouvoie, quoi. Il te prend pas pour un débile. C'est, il te respecte. Parce qu'il y a beaucoup de jeux, j'aime pas hein, quand un jeu me tutoie, en fait. Je trouve ça irrespectueux. C'est con, mais... Yeah. Là, je regrette qu'on n'ait pas le doublage japonais. Fool est censé avoir la voix de Freezer. Bah, on aurait pu avoir la version française, en fait. Il faudrait se cotiser. Bonjour, monsieur. Il me semble que la porte est ouverte, maintenant que les chats noirs ne sont plus là. L'entrée de la ville est la porte verte que tu peux voir à droite en sortant d'ici. Ah, ils m'ont pas soigné, en fait, les salauds. Alors comme ça, il paraît que tu as réussi à vaincre le boss des chats noirs. T'es vraiment fort, toi. C'est un peu... En fait, le mec, on l'envoie... Il a chopé trois chatons, et puis on lui dit, bon, ben, vas-y, quoi. Tu vas choper tous les chatons du monde. C'est un peu comme si les officiers du raid qui avaient récupéré... Enfin, capturé vivant des esclavistes, on leur disait, c'est bon, vous êtes super fort. Vous allez en Syrie, vous allez choper tous les mecs d'Isis. Oui, alors, non. Ah, déjà... Que le diable emporte ses chatons. Regardez-moi ces graffitis et ça ne part pas. Bah, tu peux les laisser, ils sont mignons. Je crois qu'il y a du racisme anti-chaton en fait, hein, dans ce jeu. Ah, mais tiens, j'étais pas entré dans cette porte. La porte est verrouillée. Il ne me semble pas possible d'entrer ici. En tout cas, pas pour l'instant. La porte est enfin déverrouillée. Je dois pouvoir entrer maintenant. Je sais pas, je mets très bien Thomas Guitare à le doubler, ce personnage-là. Ville de Resaca. Oui, oui. Il y a un morceau de photographie. Tiens, un écriteau. Accès réservé uniquement au personnel autorisé. Oh, ça doit pas me concerner. Mais je suis bête, je suis de la police. Je suis forcément un personnel autorisé. Il paraît que tu as fait fuir les membres des chats noirs, merci! En fait, connais-tu les mines de Ferzen? C'est là que l'on a récemment découvert des vestiges du dieu géant d'Ancien, n'est-ce pas? On en parle beaucoup en ce moment. Oui, c'est ça, tu sais, j'ai entendu les trois sœurs en parler entre elles. Ferzen, des cristaux! Ou je ne sais quoi, tu sais ce que ça veut dire, toi? Des cristaux? Y aurait-il une pierre identique à celle que j'ai trouvée dans les ruines à Ferzen? Bon, je vais aller aux mines de Ferzen avec mon aéroplane. Il y a un côté un petit peu... Oh non. Une grille en fer, mon pire ennemi. Mais ça va, ouais. Police! Connaissez-vous les îles d'Erlif qui se trouvent à l'ouest de Préria, la capitale du royaume? Il est impossible de les survoler en aéroplane à cause des petites îles flottantes. Les chatons seraient mignons s'ils n'avaient pas la manie de lancer des bombes. Hein? Quel est le rapport? Bonjour, vous avez vu mon voisin? Il a disparu depuis 15 jours. Vous savez que le roi a un nouvel assistant. Mais ça n'a rien à voir. Bon, qu'est-ce que je peux casser dans cette maison? Bonjour, monsieur. Est-ce vraiment toi qui as réussi à vaincre tous les chats noirs? J'ai du mal à le croire. Oh, vous savez, je n'ai aucun mérite. C'est comme si j'étais contrôlé par quelqu'un. C'était pas censé être un compliment. Bon, en tout cas, tu as fait du bon travail, je t'en remercie. D'accord. Bah, comme tu es très gentil, je vais te casser tes chaises et ta table. Voilà. Et puis ta deuxième chaise parce qu'elle est moche. Casseurs de chaises.
Les chatons avaient volé le charbon à la salle des machines, il faut que je pense à mettre un verrou à la porte. Oui, oui, c'est pas con ça. Salut papy. Alors on va visiter toutes les maisons, on va tout casser et puis on va finir par apprendre des choses. Alors des fois il faut. Des fois faut te donner un petit coup. Hein. Il y a un morceau de photographie. Et voilà ma réponse. Ah, encore un morceau de photographie là. Oh, t'étais AFK, bah, t'as loupé quand j'ai tabassé les chats noirs. Enfin, les chattes noires, du coup. Il paraît que le navire de luxe Argonus est ancré dans le port de Rataka. Ah là là, qu'on ne voudrait ne droite qu'une fois monter dans un navire comme celui-là. Et la chaise et la table et l'armoire. Bah, je casse tout, hein, c'est toujours la même chose. Et Boubou Sniff, que t'arrive-t-il? Les chats ont kidnappé mon bébé. Ton bébé kidnappé? Ton bébé. Ah, tu veux parler de ta peluche? Il s'appelle Maurice. Non, serait-ce pas lui que tu cherches? Waffle a rendu la peluche à la petite fille. Oh Maurice, super, merci monsieur le policier, tiens je te donne ça. Waffle a récupéré une phonographie. Ah, mais c'est... Eh bien, je la mettrai dans mon album. Tu veux ma photo? Je vais la mettre dans ton album, dans mon album de singe. Il y a un morceau de photographie. Mais on trouve plein de morceaux de photographie, je me demande si on va finir par trouver quelque chose. Ah mais voilà, c'est des armoires saintes, regarde, il y a une croix en haut. Bon les petites, moi je me casse. Enfin, je te casse tout ton mobilier et puis je me casse. C'est une fille, vous voyez, elle a les cheveux roses. Bah, on... Ah oui, elle a les cheveux roses, effectivement. Si tu vas aller sur une autre île, utilise ton aéroplane, il est arrimé dans le pour. Oui, je me souviens plus où je me suis garé, hein. C'est vrai que ça fait que 3 minutes. Puis bon, le gars, c'est un policier, hein. C'est normal, il est un peu con. Alors là où c'est pratique, c'est qu'ils mettent les panneaux à l'envers et à l'endroit sur les côtés des portes en fait, comme ça au moins on sait où on est. Alors bouton triant, je crois qu'il sert à rien. Non, il sert à quoi le bouton triant? C'est plutôt beau hein, pour la PlayStation quand même. Bon, c'est pas hyper détaillé, mais c'est sympa. Alors, un touche triangle. Non, ça sert à rien. Salut, on a plein de boutons sur la manette qui servent à rien. Ok. Océan. Et pas le développeur. Bon bah, je vais retourner à mon aéroplane. C'est dommage qu'il n'y ait pas de... Alors comme ça, il paraît que tu as vaincu le boss des chats noirs. C'est bien celui qui a détruit l'entrepôt, n'est-ce pas? Tu es très fort. Ouais. Tiens. Et ça me coupe le sifflet. Hop là. Si le roi a appelé Panta, bon, ok. Oui, après les souterrains de Shadowman, ça change un petit peu. Sortir du menu, rapport au QG, monter dans l'aéroplane. Peut-être devrais-je aller autre part avec l'aéroplane. Bah oui, peut-être.